Ils abandonnent leur chien de 16 ans, aveugle et sourd car ils n'ont plus de temps pour lui. Les sauvetages sont toujours riches en émotions. L'histoire de Jacques, un collet de 16 ans, a profondément ému les associations et les refuges qui lui sont venus en aide. Jacques est un collet à poils longs qui a été amené à l'association Humane Society de Crawford County dans l'Ohio lorsque sa famille a décidé qu'elle ne voulait plus de lui. Après 16 années passées dans sa famille à être fidèle et loyal envers ses maîtres, ceux-ci ont décidé de l'abandonner car il n'avait plus de temps à lui consacrer. Un chien totalement perdu. À presque 16 ans, Jacques était aveugle et sourd et le pauvre toutou ne comprenait absolument pas pourquoi il se retrouvait dans un refuge du jour au lendemain. Il était tout simplement pétrifié. Pour prendre soin de lui et de son âge avancé, les bénévoles du refuge l'ont installé dans la pièce la plus calme qu'ils ont pu trouver au refuge pour lui. Les bénévoles sont ensuite partis à la recherche de familles d'accueil qui pourraient prendre Jacques en charge dans la région. En 2 heures, ils ont réussi à trouver une maison pour Jacques. L'association Almost Home Dog Rescue a proposé de prendre en charge Jacques pour le reste de sa vie en l'intégrant dans un programme pour les chiens plus âgés. De sorte à ce qu'il passe du temps avec des chiens comme lui. Deux volontaires sont venus le récupérer et quand elles ont vu Jacques, elles se sont mises à pleurer. Ce chien si noble, si sage et si doux les a émus au plus profond de leur cœur. L'association Humane Society a partagé sur son compte Facebook un message indiquant que chaque sauvetage les atteignait un peu plus. S'ils font ce métier, c'est parce qu'ils ne cesseront jamais de tout faire pour les animaux et pour redonner une voix à ceux qui n'en ont pas. Après quelques mois passés en famille d'accueil, Jacques coule désormais des jours heureux dans sa nouvelle famille pour la vie, où il est aimé et apprécié à sa juste valeur.